Monsieur Adil Amiamia, oui. Député numéro 3, aussi dans la circonscription, il y a l'île d'Agalega. Alors, il y a beaucoup ça fait plaisir. Il y a générateur, pas mort, c'est la piste cassée. Il y a un bon monde qui a le travail, puis il y a la case. Ouais. Quelle situation est-il? Non, moi vraiment inquiet et attristé de la situation de nos mansoeurs et frères de Agalega. Et moi vraiment colère aussi hein, contre le gouvernement central et contre le ministre qui occupe ce dossier-là, parce que rien n'a été fait et on ne fait rien actuellement pour améliorer les choses. S'il y en a pour causer, un parquet capable de causer, depuis 2005 à ce jour, pas de fin de rien, pour arranger la piste d'atterrissage, pour refaire le pot, pour essayer de développer l'île elle-même. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver tous ces problèmes accumulés contre ces camarades-là, pas capables d'amener la vie convenablement et je viens de manifester ici à Maurice. Moi, en tant que député depuis mon élu, je mets la requête pour aller visiter plusieurs fois au Parlement et plusieurs fois le ministre, il fait la sourde oreille. Mais là, quand même, j'ai besoin de dire, vu l'urgence de la situation, on écrit une lettre au Premier ministre. Et quand même, il est bien gentil, il répond moi tout de suite dans les heures qui suivent. Et il dit qu'il m'a besoin de faire partie de sa délégation. Hein. Mais étonnamment, comme on retourne vers le ministère d'administration régionale, ben, on a une information qui peut avoir une délégation qui peut aller maintenant et qui peut informer quand une délégation peut aller. On trouve ça vraiment terrible qu'il y ait une affaire qui s'est besoin de rester en urgence. Si besoin, à là-bas, sur place, le gouvernement besoin développe les fonds nécessaires pour capable assainir la situation. On peut suivre ça de très près et on peut faire une déclaration qui vous a fait dans les jours à venir. Si jamais il peut attendre pour réécrire le Premier ministre. Oui, moi peux attendre ça semaine lundi, s'il y a un kit de développement et s'il n'y a aucun développement, vous demandez que si le ministre n'est pas encore paré pour aller, moi me dispose pour aller tout seul. Parce qu'en tant que député de la circonscription, c'est mon mandat. Pareil que moi, dans le passé de 2000 à 2005, tout le monde député s'est allé. Pareillement, le gouvernement fait mon député aller.